Nous allons procéder au prix de la ville de Senlis. Alors je voudrais aussi préciser que cette manifestation a le soutien du Conseil régional Midi-Pyrénées qui soutient bien entendu toute action culturelle et avec lequel le Conseil régional il ne manque pas d'être présent aux manifestations organisées par notre ville et plus particulièrement aussi aujourd'hui. Alors, je vais ouvrir l'enveloppe, les gens ne me l'ont pas donnée, mais je sais que le prix de la ville de Senlis est décerné à Pierre Vabre pour le petit homme. Et alors, avant de délivrer le prix, je me suis dit qu'on pourrait lire un tout petit extrait au début de notre rencontre et sur lequel j'avais consigné les lois de l'univers qu'il m'avait enseignées. Il nous arrive souvent de le lire ensemble. Notre rencontre avec lui a été le début d'une grande quête que nous avons continuée à travers des livres, des rencontres, des voyages, à travers la vie même. Tu devrais peut-être écrire tout cela, me dit Virginie. Qui veux-tu que cela intéresse? Je ne sais pas. Ce sera ce que nos enfants, me dit-elle en me prenant la main. Nos enfants? Tu en veux donc plusieurs? Je sors de ma poche le carnet en question, pousse les quelques cartes postales que nous venons d'écrire, prends le stylo et commence à écrire. La première fois que j'ai vu le petit homme, il était assis sur un banc. Le soleil commence à se coucher sur le joyau du Vietnam. À la terrasse d'un des innombrables cafés qui a fleuri le long des quais, un couple d'amoureux, attendant son premier enfant, se remémore la vie de l'homme qui les a fait se rencontrer, qui les a fait devenir adultes, qui leur a passé le flambeau dans cette histoire sans fin qu'est la vie. Le petit homme était grand. Ouf. Mais que dire dans ces cas-là, c'est un immense merci, c'est un vrai moment de bonheur, une vraie surprise et je voudrais vraiment remercier l'association Autour des Lettres, sa présidente Simone et Guy qui nous a enchanté hier avec ses bons vins et puis tous les bénévoles, tous les membres du jury bien évidemment, vous monsieur le maire pour soutenir des salons de livres tels que celui-là, qui sont un véritable bonheur, un véritable cadeau pour les auteurs. Remercier les gens du pôle culturel de la mairie de Senlis, avec qui on est en contact depuis de nombreux mois, et les féliciter pour l'organisation de ce salon, qui est vraiment incroyable. On en a discuté hier soir, vraiment une très très belle organisation. Et puis, dire tout simplement merci à vous tous qui êtes là, qui êtes présents, pour cet inestimable cadeau que vous me faites, ce grand honneur. Je partage bien évidemment aussi ce prix avec mes autres collègues auteurs qui méritent aussi, je pense, tout autant que moi, ce prix. Et car quel bonheur d'avoir cette reconnaissance. C'est vraiment un immense privilège. J'en mesure toute la grandeur et je vous en remercie encore. Merci. Son panier gastronomique.